Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est devenu Jordan Belfort, puisque peut-être que tu connais Jordan Belfort depuis son livre Le Loup de Wall Street ou le film Le Loup de Wall Street, tourné et scénarisé par Martin Scorsese et dont le rôle de Jordan Belfort est incarné par Leonardo DiCaprio. Bref, dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est devenu Jordan Belfort. Mais juste avant qu'on attaque cette vidéo, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors Jordan Belfort n'est plus à présenter, tu connais certainement son passé et tu t'interroges sur son présent puisqu'il est encore vivant au moment de cette vidéo. Et donc Jordan Belfort, ce qu'il est devenu, c'est devenu conférencier en motivation et notamment sur l'art de vendre, l'art de faire des séminaires, et il touche plus de 30 000 $ par élève, par participant de ses conférences par heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jordan Belfort s'est spécialisé sur les personnes qui souhaitent apprendre à vendre et à se motiver à savoir vendre dans des environnements qu'il fréquente. Et c'est pour lui la mission de vie qu'il a découvert et sur lequel il s'est donné cette direction pour pouvoir, on va dire, impacter et avoir du sens dans sa propre vie. Donc si tu vas aller plus loin pour voir d'autres vidéos de Jordan Belfort, tu pourras les découvrir dans la description de cette vidéo dans laquelle tu découvriras notamment qui il est, sa biographie, ses différents livres et les résumés que j'en ai pu faire par le présent. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir fait le choix de cette vidéo.